Alors, je m'appelle Pascale Mourir-Méraud, j'ai 56 ans, je suis une ancienne enseignante de l'éducation nationale que j'ai quittée car j'avais perdu la foi. On ne me donnait plus les moyens de donner un enseignement cohérent et on me donnait beaucoup de temps sur l'éducation. J'estimais que j'étais là pour enseigner. Donc voilà, je suis partie de la région parisienne, je suis donc arrivée dans les Landes et je ne voulais pas quitter le monde professionnel sans en connaître d'autres. Donc je me suis orientée vers le monde du travail saisonnier, où là j'ai rencontré donc le monde du travail féminin, où il y avait une certaine exploitation. Là j'ai pris conscience qu'il fallait que je me batte pour ces personnes et c'est là que j'ai rencontré donc le Parti communiste. Dans mon petit village, je me suis pris dans le système. J'ai rencontré un ami qui m'a dit que ce serait bien que tu présentes sur les différents temps électoraux. Et donc voilà, ça m'a amené au fur et à mesure à rentrer au niveau de la Fédé. Et aujourd'hui, ben voilà, il m'a appelé une semaine avant le congrès, me disant ben voilà, tu montes avec nous, tu viens au congrès faire une nouvelle connaissance au niveau du congrès national. Donc, qu'est-ce que m'apporte le congrès? Déjà d'être dans le bain. D'avoir un échange, de travailler sur une chose commune, de rencontrer aussi mes camarades avec qui on n'a pas une vie tous les jours ensemble. Donc déjà, c'est intéressant pour continuer un travail positif. Et après, je trouve que le congrès, pour moi, c'est un temps court d'échange au niveau du travail. Je pense que c'est une erreur de citer voilà. Donc, moi, je suis très contente d'être ici. Voilà, je suis très émue. Aujourd'hui, comme candidat, donc, déclaré. Il y a...